Trop d'informations tue la transformation. Olivier Loquin. Pour amener un changement dans les circonstances extérieures de votre vie, cela ne peut être opéré que par la transformation de votre intérieur. Votre croissance personnelle est le seul moyen de développer votre potentiel d'entrepreneur leader. Bonjour madame, monsieur, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi », en avant vers la haute, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 137 de la série FC Leadership Podcast. Nous poursuivons la saison 2, l'esprit de l'entrepreneur leader. N'oubliez pas que cette saison contient 12 épisodes de podcast basés sur les 12 lois de croissance de l'entrepreneur leader, tirés du symbole des 12 lettres de l'idéogramme entrepreneur. En effet, nous analysons la troisième loi, simple mais extraordinairement fondamentale pour l'entrepreneur leader. Une loi est incontestable, c'est un principe à respecter et à appliquer si vous ne souhaitez pas vous retrouver dans des situations de non-retour, voire dévastateurs pour votre système. Pour pouvoir rester dans la course de la croissance sans embûche, la loi de la transformation est fondamentale pour l'entrepreneur leader. Cela peut lui permettre de garder la tête hors de l'eau dans les moments de crise et s'envoler comme l'aigle dans les périodes d'abondance. Si vous avez écouté l'épisode 135 et 136 de cette saison 2 intitulée « L'esprit de l'entrepreneur leader », la loi 1 et la loi 2 des lettres E pour engagement et N pour naissance, vous êtes alors en phase avec ces dernières. Ce sont des principes qui peuvent favoriser votre croissance de façon exponentielle. Appliquez-les dans votre vie et vivez-les. Voyons donc aujourd'hui la loi 3, symbolisée par la troisième lettre de notre idéogramme entrepreneur, T pour transformation. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous lui portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer, Amazon Music et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. La loi de la transformation. La transformation personnelle est une clé d'influence de tout entrepreneur qui veut utiliser son leadership pour briller dans son affaire et répondre à un véritable besoin des gens qu'il sert et du monde. Qu'est-ce que la loi de la transformation? Le verbe transformer est traduit par deux mots dans le grec. Nous avons dans un premier temps le mot métaschématizo, méta qui signifie avec, après, derrière, envers, à, et schéma qui signifie l'ensemble comprenant tout ce qui, dans une personne, frappe les sens, le visage, le port, le discours, les actions, la manière de vivre, etc. En effet, métaschématizo veut dire changer de figure, transformer. Ce mot se réfère à la condition transitoire depuis laquelle le changement survient. Dans un deuxième temps, nous avons le mot métamorpho. Se réfère à un état permanent dans lequel un changement prend place. C'est-à-dire changer dans une autre forme, transformer, être transfiguré. Rappelez-vous du mot méta, qui veut dire après, envers, avec. Et pour morpho, nous avons la traduction former, être formé. Alors, voyons sa racine en hébreu. Nous avons shit. Prononcer shit, ça s'écrit S-H-I-Y-T-H, qui se prononce comme shit, S-H-E-E-T-H, qui
qui veut dire poser, fixer, mettre, désigner, fixer son esprit sur. Il peut aussi traduire comme établir, porter, apporter, rendre tel, placer, observer, traiter, transformer, amener, dresser, appliquer, regarder attentivement, réduire, donner des soins, envoyer, préparer une moisson. La transformation, c'est l'action de transformer, une opération par laquelle on transforme ou l'on modifie quelque chose pour un nouveau résultat différent de la première. La loi de la transformation, c'est le renouveau, le renouvellement vers du mieux. Quel résultat amène-t-elle la loi de la transformation à un entrepreneur leader? Toute transformation nous prépare à la récolte d'un nouveau fruit, d'un nouveau résultat. Graines de maïs donnent toujours du maïs. Si vous voulez des fraises dans votre jardin, il vous faut arracher le maïs et en planter des fraises. C'est la loi de la transformation. Prenons le cas d'une chenille. Il n'y a pas plus beau résultat que sa métamorphose, c'est-à-dire sa transformation à un insecte qui n'est plus reconnaissable à une chenille, qu'on appelle le papillon. C'est incroyable. Quel changement! Comprenez-vous bien que chaque chenille a une graine d'un papillon. N'est-ce pas génial? Le pouvoir de l'entrepreneur leader est dans sa capacité à se transformer. L'être humain est né avec 4 besoins fondamentaux: vivre, aimer, apprendre et transmettre. Aucun de ces besoins ne peut s'assouvir si un changement ne s'opère dans votre propre vie et de manière continue. Si vous avez besoin d'identifier votre mission, veuillez clarifier votre vision liée à la mission. Tout vous demande une concentration pour fixer votre esprit sur 3 éléments: votre cadre spirituel, votre expérience du passé et vos valeurs de base. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, je vous expliquais que votre cadre spirituel vous amène à votre passion. Vos expériences du passé vous permettent de trouver vos ultra-compétences et vos valeurs de base vous permettent de créer votre grande histoire personnelle. N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. Albert Einstein. Après la naissance, l'entrepreneur commence un processus de croissance vers sa destinée. Il a besoin de comprendre son pourquoi, sa raison d'être. Sa transformation n'est pas seulement pour lui-même, mais pour les autres. Il est appelé à répondre à des besoins. Il est donc nécessaire de déterminer son big why, car pour trouver sa motivation, il a besoin de sens. Quelles sont les transformations qu'il doit mener? En voici 3. Premièrement, transformation structurelle. C'est une transformation de l'ADN même de l'entrepreneur leader. Une réponse à des questions telles que: qui est-il? Pourquoi est-il sur Terre? Qu'est-ce qu'il veut? Où veut-il aller? Il y a des éléments essentiels qui vous charpentent de l'intérieur vers l'extérieur. Le leader entrepreneur a besoin particulièrement de transformer son mindset. Tout développement commence par la pensée. Cela demande un alignement de valeurs, d'une identification de besoins, d'actualisation de croyances aidantes et d'établissement de limites aidantes. L'adaptation au changement est une question de mindset. Apprendre le jeu de la vie est toute une question d'état d'esprit. La transformation structurelle constitue un processus continu et évolutif dont le centre est le focus à la mission de vie. Un plan structurel de leadership entrepreneurial est un plan agencé sur 3 piliers: passion, ultra-compétence, histoire personnelle. Des éléments issus de 3 autres éléments centraux: le cadre spirituel, les expériences du passé et les valeurs de base. Cela demande de l'adhésion et de l'engagement de sa part. Ce sont les principaux défis pour en garantir le succès. À ne pas oublier que la mission est l'identité et c'est également la vocation de l'entrepreneur. 2. C'est la transformation du leadership. Le leadership, c'est de l'influence. Chacun a de l'influence. L'entrepreneur leader a un rôle d'influence. Il garantit en quelque sorte une solution à un problème pour les autres,
En quelque sorte, sa mission, c'est de faire croître la vie des gens qu'il serve. La transformation de son leadership est donc essentielle. Le meilleur leadership est le leadership de soi. Il ne peut pas diriger les autres s'il ne sait pas se diriger lui-même. En dehors de sa vocation, il perd son leadership. Pour cela, il a besoin d'être centré, d'avoir de l'humilité et de la compassion, d'avoir une bonne conscience de soi, de la connaissance de soi, de l'estime de soi, de la confiance et d'affirmation de soi. La meilleure façon de travailler son leadership est de rester dans la mission et toujours avoir une vision bien clarifiée. En quelque sorte, il faut être avant d'avoir. 3. Transformation de son environnement. La qualité de votre environnement détermine aussi la qualité de votre croissance personnelle et de votre leadership. Un environnement propice permet à l'entrepreneur leader de résoudre, non pas plus facilement, mais plus vite et simple, une difficulté. Et cette même difficulté, dans un environnement non favorable, lui fera mettre plus de temps à la résoudre sans forcément que ça soit plus difficile. Parce que cet aspect de difficile ou pas dépend toujours du mindset. L'entrepreneur leader a besoin de relations. Seul, il va plus vite, mais ensemble, il va plus loin. Mais faut-il qu'il trouve les bonnes relations? Un changement d'environnement est nécessaire si la croissance personnelle du leader est mise en jeu. Comprenez bien que tout succès est dans la croissance personnelle d'abord. Si je ne m'améliore pas, je ne peux pas faire mieux à l'extérieur. Il est comme la pensée de son âme, dit le Proverbe 23 au verset 7, la Bible. Tous les facteurs environnementaux sont à prendre en considération afin de faciliter la croissance et la transformation d'un entrepreneur leader. Le papillon a besoin de sa chrysalide et sa chrysalide a besoin d'un environnement propice pour favoriser sa métamorphose. Plus l'environnement est favorable, moins la transformation prend du temps. Temps égale vie. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader entrepreneur. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Que faites-vous pour votre croissance personnelle en tant qu'entrepreneur? Est-ce que vous savez exactement ce que vous voulez? Sinon, que pouvez-vous faire pour le découvrir immédiatement? Quelle est la chose à changer chez vous pour avoir une vraie transformation basée esprit, âme et corps? C'est la fin de cet épisode numéro 137 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre « Devenir enfin moi », en arrivant vers la route, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, développer leur potentiel, développer leur leadership et réaliser leur plus grand rêve. Si vous êtes intéressé par un coaching, vous avez envie de prendre une décision dans votre vie pour arrêter de subir, arrêter de tourner en rond, de procrastiner, vous avez envie de sortir du statu quo, alors prenez contact avec moi à contact@fcelestin.com. Je me ferai un plaisir de vous écouter et voir qu'est-ce qui est possible si nous travaillons ensemble. Si vous êtes nouveau à écouter ces shows et que vous lui portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Amazon Music, Deezer et TuneIn. N'oubliez pas, vous pouvez avoir accès à des podcasts premium et des accompagnements personnalisés en vous abonnant à FC Leadership Podcast Premium où vous pouvez bénéficier soit de l'accompagnement Leadership Starter ou Leadership Transformer. Si vous souhaitez en savoir plus, vous
vous avez le lien dans la description de cet épisode de podcast. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!